Voilà. Bien, gamin. Ça, c'est virusite oral. Un absent depuis un an. Ben, malheureusement, là, on avait fait super bien en octobre l'année dernière, il y a un an. Gagné monté avec Franck Nivard, deux courses l'année dernière, marché 14. On a fait une course pour courir, c'est la finale des 4 ans au Croisé la Roche. Un faux départ, deux faux départs, parti comme un dératé, grand galop, plein de charges, tendinite. Après, cheval lourd, j'ai dû un peu trop vite remis au travail, pas bien guéri, donc j'ai perdu du temps. Et là, ben, ça m'a l'air parti, donc on fait un contrôle pour pouvoir retravailler un peu plus fort prochainement. Donc lui, j'espère le revoir fin de meeting ou fin de meeting d'hiver. Là, il va remettre en route, j'ai encore 2 mois devant moi là. Ouais, il avait un bon niveau avant, c'est un cheval que, à ton avis, qui... Bah, c'est un cheval qui est courte distance monté à l'attelage, c'est un cheval qui déroule quand même. Hein. Donc je pense que ça va aller, je vais le retrouver. Je suis pas inquiet, après bah, quand ils ont bougé, faut pas... tu travailles toujours un peu en disant pourvu qu'il m'arrive rien, donc faut faire attention. Tu travailles plus pareil, pas vrai. Ça c'est mon cheval pour le meeting d'hiver. Il m'a fait déclarer l'année dernière, il est bloqué à 23 000 euros, aujourd'hui il en a 95, déféré des 4. Il a pris tout son argent cette année, là il a fait un petit break là, depuis un mois et demi, pour enchaîner. Là je le courrai à coup à l'atelier le mardi 11 à la Capelle. L'atelier c'était compliqué, donc maintenant j'espère que ça va aller, et puis ça va lui faire du bien. Et ensuite il a des belles courses montées dans le meeting d'hiver, donc l'objectif c'est le 14 décembre. T'es au courant du petit débat qui s'offre entre... Ah ben non, c'est peut-être pas encore en ligne, mais... Pierre-Yves Verva dit qu'il fait pas trop son programme des chevaux à long terme. Ouais. Il voit 15 jours, alors qu'on a Bruno Bourgoin qui, lui, fait le programme de ses chevaux à 2-3 mois. Ouais. Toi, tu fais partie de quelle catégorie? Non, ceux à 8 jours, ben, c'est ceux que j'entraîne, c'est ceux les moyens de tout le temps. Mais les bons, enfin les bons entre guillemets, mes chevaux utiles dans mon écurie à moi, j'en ai pas beaucoup, donc je me permets d'en regarder un peu plus dans le lointain pour soit ralentir, soit progresser, ou soit engager, voilà, soit il faut que je rentre, voilà, engager plus longtemps, ou... C'est surtout ces chevaux-là. Après les ordinaires, dès que ça marche, engagement, aide à la décision, ils en ont 10, je cours, j'engage les 10. Hein. Et si je peux courir les 10, je courrai les 10. Hein. Bah, les moyens, il vaut mieux les courir que de les entraîner. Hein. C'est bien le client, ce qu'il veut, s'en fout que tu l'as gratté. Hein. Ce qu'il veut, c'est l'argent. Hein. Donc, moi, j'en connais pas qui caressent leurs chevaux quand ils n'ont pas passé le poteau. Hein, donc, c'est fini ce temps-là. Donc, non. Donc, ma politique, elle est comme ça. Sur les bons, ben, je fais un programme. Je regarde le programme un peu plus lointain. Pas au mois de janvier. Hein. Mais là, je regardais déjà un petit peu de la décision au mois de décembre. Il y a un mois. Donc, un mois, c'est apparu sur Internet. Et ben, je sais qu'il y a 2 belles courses montées. On va essayer d'en faire une belle. Donc, on va préparer la première. Parce que la première, quand il est frais, ça marche toujours. Il est bien frais. Donc, voilà. C'est noté. Qu'est-ce que j'ai encore? Mon cheval là. Ça c'est le cheval qui a gagné mardi soir. Alonso d'Arbaz. Lui je pense qu'il va sans problème il peut reclaquer une. On a les réglages chambon, on a le driver qui comprend bien le cheval. Il a donné un super parcours. C'est facile de lancer des fleurs quand on gagne. Mais honnêtement, même s'il ne regagne pas la prochaine fois, mais dans la catégorie où il est maintenant, il va reclaquer une cet hiver. Je pense que ça c'est le cheval pour le meeting. Il t'a surpris la dernière fois? Non, ça fait 6 mois que je dis au client il est bon, les mecs ils commencent à dire t'es sûr qu'il est bon ou. Ah bah, à un moment tu doutes. Alors les gens ils doutent de toi et puis toi tu doutes de toi aussi. Et en fin de compte, il a fait voir son vrai visage, pas encore à 100%, je pense qu'il est... En ayant confiance, c'est un cheval qui mélange un peu tout, donc en ayant confiance, ça va le faire. Là, je pense que c'est parti. Franck, il a bien compris. Juste, on fait une petite parenthèse. Les relations entraîneur-propriétaire, c'est pas toujours facile. Il faut être commerçant. Hein. La chance que j'ai, c'est que je pense que je suis assez fort là-dessus. Hein. Comme elle disait ma mère, tu vendrais une poule à la place d'un canard, mais je pense que je sais dire les mots exacts. Après, ben, c'est pas évident parce qu'il faut prendre sur soi. Et puis après, tu as des répercussions dans ta famille. Hein, donc il ne faut pas oublier. Le soir, tu rentres, tu n'es pas content. Pourquoi? Pour une connerie d'un discours. Donc faire attention. Mais bon, c'est pas facile à gérer. Mais malheureusement, on en a besoin. Et ton côté optimiste? Je trouve que pour un propriétaire, ça a quand même son charme. Je te compare pas, c'est pas aussi fort que ça, mais un mec comme Garato, il fait rêver, parce qu'il a un discours qui est super positif, et toi aussi, j'ai envie de dire. Bien sûr, mais je pense que, moi Sébastien, je suis copain avec lui, on a discuté il n'y a pas longtemps ensemble,
Et comme il va me dire, lui il est bon, aujourd'hui on lui les amène, moi je les fabrique, donc je suis un artisan moi. Hein, mais bon, il me manque un peu le côté, comme j'ai dit déjà il y a une paire d'années, il nous manque le côté un peu origine. Nous, nous travaillons avec du béaba, hein. Le voisin qui a mis un trotteur au monde, ben bravo, là, tiens Nicole, prends-le. Mais bon, quand tu regardes de quoi tu pars, c'est un peu l'exception quand on en sort un bon, parce que ben, à la base, il n'a pas l'origine pour, voilà, il est fabriqué. Demain, on m'amène que de la cam, je pense que je ferai pas mal. Moi, je suis bien équipé pour travailler. J'ai la chance de me lever tous les matins, donc je pense que j'y arriverai quand même. C'est comment dire, c'est frustrant de ne pas travailler avec de la cam. C'est frustrant. Enfin, je vais te dire honnêtement, une comparaison toute bête, tu vois hier au Calif. Quand tu travailles un engin de guerre qui est super bien né, bah, tu vois que quand même c'est différent. Tu te dis merde, toi t'as tourné les tiens pour les sortir comme ça, il m'a fallu en fabriquer et celui-là, eh ben, il sort du lot. Je pense que c'est pas frustrant. C'est bien aussi d'en fabriquer soi-même, mais. C'est sûr que je travaille avec de l'origine un peu plus élevée, je pense que je suis pas plus maladroit qu'un autre. Et Christopher, hier tu as qualifié un poulain pour le Tficol Genie. Est-ce que c'est à croire que tu es devenu un driver international? Non, c'est ce que je suis content, j'ai rendu service à Gaëtan Marc et puis honnêtement un cheval mis au bouton. Chogamin, on l'appelle Chogamin parce que c'est un chou aussi de chez nous. Hein. Et non, un poulain bien mis et puis grosse classe. Grosse classe. Honnêtement, Code Genie va se régler avec ça. S'il veut un driver pour le driver, je le mènerai, mais je pense qu'il a autre chose que moi. La preuve, moi, je suis le mener les miens, donc non, honnêtement, un plaisir. Je me suis régalé rien qu'au calife, c'était déjà suffisant. Il te manque quoi pour... c'est qu'une question d'argent. Ouais, l'argent pour les clients. Maintenant, ça commence à partir à la dérive. Hein. Faut pas oublier que les clients, de moins en moins. Hein. De moins en moins. Hein. Moi, j'ai gardé autant de chevaux, mais sur tous les chevaux, j'ai une part. T'es obligé de passer par ça? Ben malheureusement, on est obligé. Mais bon, ça m'a fait réduire dans le personnel. Parce que toutes les charges n'ont pas baissé. Donc, j'ai gardé le même nombre de chevaux en ayant un gant en moins. Parce que j'ai dû prendre la moitié presque de presque tous les chevaux. Ou à part de 2-3 gros clients, qu'ils ont gardé la totalité. Mais les autres, j'ai tous minimum 25% ou la moitié. Mais l'intérêt pour toi d'avoir une part d'un cheval, c'est qu'il ne parte pas de chez toi? C'est aussi une question parce que... Non, c'est une question de survie aujourd'hui. Ouais. Qui part pas de chez moi, je suis d'accord, mais moi j'ai un dialogue assez ouvert dans ce milieu-là. Moi, demain, si le cheval, même si j'en ai la moitié et puis que ça va pas, et puis je sais qu'il y a du potentiel, je suis capable de le confier à un de mes collègues. Ça, c'est un peu le défaut du milieu. Les gens, ils sont un petit peu enfermés dans leur idée en disant oh, « on va y arriver tout seul ». Mais des moments, tu n'arrives pas tout seul. Tu comprends pas toujours le cheval. Et la qualité, il l'a. Et ben moi, quand c'est comme ça, je préfère le confier à quelqu'un d'autre, même en gardant ma part. Donc, et le truc, cette part-là, elle est obligée parce qu'aujourd'hui, on est entouré de petits clients qu'on avait avant qui savaient assumer un cheval tout seul. Aujourd'hui, ils ne savent plus l'assumer tout seul. Et donc, ils préfèrent prendre. Il faut mieux jouer le jeu avec eux, prendre la moitié. Bon, quand tu as un canard, tu l'enlèves vite fait. Hein. Tu ne leur fais pas non plus. Moi, je ne fais pas d'hôtellerie. C'est un centre d'entraînement, il n'y a pas de chevaux repos ici. Hein. Donc, c'est soit les poulains, machin, mais en vacances, ils vont chez les propriétaires. Je ne peux pas me permettre de les garder au repos. Il faut que ça soit complet, que pour travailler. Et ben on poursuit. On poursuit, bah attends, j'en ai un qui est dehors qui trotte, il va le rentrer. Le poulain qui est au fond là, c'est Colibri des Pins, qui est arrivé hier parce que j'ai qualifié Cap des Granges, qui est un cheval qui est tardif, un Rolling Derby qu'on va débuter l'année prochaine, dans un an, donc au mois de septembre je pense, on va le mettre en route gentiment. Et Colibri des Pins, lui, un cheval qu'on avait fait 18, qui avait fait bonne impression au qualif, qui a mal débuté à Vincennes avec Eric Raffin. Mais je vais le remettre en confiance parce que depuis ce temps-là, il avait fait du champ. Et c'est un cheval que j'estime beaucoup. Poulain qui a gros de vitesse. Donc il s'est changé de vitesse sur un. Impressionnant sur un bout. Des poulains qui changent de jeu de jambes comme ça, j'aime bien. Ton meilleur c'est bah, pour l'instant, je pense qu'il sort du lot, c'est celui-là, Colibri des Pins. Après, j'aime bien un cheval comme. C'est Max de Noyel, mais pas le 2 ans. Courable parce qu'il qualifie 18, mais pas le 2 ans. Un Hulk Deschamps qui va venir à l'âge aussi, mais il va débuter là mardi pour prendre une allocation, puis après je vais l'attendre, parce que je pense que ça va faire un poulain d'âge. Et après, j'en ai qualifié. Bah, celui que j'ai qualifié hier, c'est pas mal, mais il faut attendre un an. Et il y en a un que j'aime bien, mais malheureusement, il a un kilo par pied. C'est Centaure du Maine. C'est le frère de Vanita Dumaine qui était toute bonne, elle qui était du moins en poste de groupe. Hein, malheureusement, elle a eu une maladie à cause d'un virus, sa carrière elle passe à travers. Mais je pense que j'avais une jument classique ou semi-classique. Mais dommage. Mais Centaure, bon, c'est pas le même. Déjà, il est hongre, mais cheval sympa, mental, gros mental. Donc, qualifié 19 en faisant la 514 pour finir. Donc, je pense que c'est pas mal pour un 2 ans. Surtout en ayant beaucoup de poids. On va peut-être pouvoir l'alléger, mais pour l'instant, il y en a besoin. Donc là, il est en vacances. J'espère que la force va faire le reste. Voilà. Ensuite, maintenant, je ne sais pas. Pour le meeting, il n'y a pas grand-chose. Hein. Alonso, virus,
Vidocq, Colibri. Et après, bah, ça va être la remise en route de la province. On va remettre de bonheur cette année. Hein. Cette année, on va remettre en route de bonheur parce que j'ai gardé des baies qui s'annonçaient bien et qu'ils n'ont pas bien fait l'année dernière. Ils ont été en vacances tout l'été. Et là, ils vont être go d'entrée. Hein. Là, c'est soit que ça va passer ou casser. Donc l'hiver, pour toi, c'est une période un peu plus calme, on va dire Ça me permet, ouais, plus calme, ça me permet de remettre en route ceux pour le début d'année, parce que moi, ils font pas tout l'année, tous. J'essaye tout du moins. Mais après, quand il y en a qui font tout l'année, tant mieux, hein, c'est que c'est un résistant. Et après, ça me permet de m'occuper de mes poulains, l'aider. Parce que l'aider, je n'en travaille pas l'hiver. Je prends un lot à chaque fois, je fais le tri dans le premier lot, je garde ceux que je garde. Dans le deuxième lot, il y a trois passages comme ça, j'en essaye 25, 30. Donc pour l'instant, on en a une douzaine d'arrivées. Et déjà, la casse, elle s'est déjà faite aussi. Donc, on va passer à autre chose. C'est un passage obligatoire pour toi, Ah ouais. Si j'ai pas ça, je suis mort. Déjà, moi, je préfère les jeunes chevaux que les vieux. Donc, j'essaye un maximum de poulains. Et justement, ton tri, ça se fait sur quels critères? Le papier ou Non. Si je fais ce papier, j'en ai plus. Hein. J'en prends, je vais tous les jeter. Non, sur la piste, en tournant. Après, j'en garde jamais le carnet. Ils sortent du débourrage quand on les fait débourrer. Donc, il y a plusieurs personnes qui les débourrent pour nous. Hein. Tous les gens autour de nous, on les fait travailler. Et puis après, ils sont un mois. Pendant le premier mois, je les attelle tous les jours. Sauf le dimanche, mais tous les jours. Ils font pas beaucoup de kilomètres, mais tous les jours. Et après, le deuxième mois, ils font un sur deux. Et puis après, ils sont déjà bottinés. Et puis je fais déjà mon tri. Non, le tri, c'est la volonté déjà. Il faut qu'il ait la volonté. Celui qui est rétif, au bout d'un mois, t'insistes dessus, puis qu'il est rétif. Des fois, on dit que c'est un manque de force, mais bon. Avec les origines que t'as, quand ils sont rétifs, ils sont vraiment rétifs. Et puis ceux qui sont pas carrés, hein, qui sont pas droits dans le sulky, et qui ont des coups de patte, j'y crois plus à tout ça, moi. Non. Dans ton processus, tu le repères à quel moment, le bon cheval? Honnêtement, sortie de débourrage, quand j'attelle, tu le sens. Ah oui, tout de suite. Ouais. Après, tu peux toujours te tromper, mais les bons que j'ai eus. Quartz de Calandre, c'est une histoire parce qu'on a mis du temps, il était débourré, puis malheureusement, il nous tapait dans la gueule longtemps, donc on l'a pris sur la route. Puis du jour au lendemain, il a voulu aller sur la piste, et là, je me suis dit, merde, il a l'air de trotter. Mais il m'a fallu celui-là, j'aurais passé à travers, si, parce qu'on en a insisté. Honnêtement, on a insisté. Mais après, il a eu l'instinct d'un combattant. Lui, il voulait toujours gagner, même à deux dans le road car, à côté d'un autre, c'est lui qui doublait l'autre. Pourquoi lui? Et puis voilà, mais honnêtement, on en a chié parce qu'il nous a une paire de fois allumé la voiture. Mais on allait sur la route, il le faisait pas. Et un jour, j'avais un cheval qui tournait sur la piste, j'arrivais à enquiller la piste avec lui. Il l'a plus jamais fait. Et puis là, j'ai dit, merde, on a fait un bout, on était à deux sur le road car, on faisait le tour en 30. J'ai dit, oula. Et puis il allait dans un genou, et puis j'ai dit, il va être écarté, mais je me suis aperçu qu'il était bon. Au bout d'un mois, il sortait vraiment, vraiment du lot. Voilà. Mais bon, j'en ai eu des bons qui sortaient du lot tout de suite. Hein, donc. Et là, faut voir. Dans l'idée, faut voir. Faut que ça tourne. Est-ce que tu rêves toujours avec les chevaux? Ouais, parce que si tu rêves pas, fais pas ce métier-là. Hein. Faut pas dire. Je dis toujours, je suis pas un rêveur dans la réalité du chose, mais tu restes rêveur quand même. Tu te fais des plans. Des fois, tu travailles le matin. T'es pas bien la veille. Le matin, t'en travailles rien. Tu rentres, tu bandes. Hein. Tu dis, merde, ça y est, je vais peut-être avoir de l'espoir avec celui-là. Donc, si tu crois pas à ce que tu fais et puis tu rêves pas, faut arrêter. Je pense. Ça, c'est une bonne petite jument qui a fait son année. Elle part en vacances là parce que j'ai pas envie de. C'est Brest du Goutier. J'ai pas envie qu'elle ait plus de 15 000. Elle a 11 000. Et puis, je pense qu'à l'âge, ça va faire une bonne pouliche. Elle m'a déçu la fin dernière au croisé, mais je pense qu'elle est fatiguée de l'année. Donc, elle est de second ou deux fois troisième. C'est une jument que j'ai mis plus de 6 mois à la mettre au trot. Quand je l'ai eue, elle ne trottait pas un mètre. Et puis, à force de réfléchir et puis de persévérer dans son trot, j'ai mis bien en confiance. C'est là la tournée. Tournée, puis elle encaisse là. Pour Oiseau de Feu, honnêtement, elle a beaucoup de tenue, c'est pas son problème. Et maintenant, c'est parti. Les réglages, ils sont nickel. Donc là, elle mérite les vacances. Donc elle va partir 3-4 mois chez ses propriétaires. Et je pense que ça va faire une jument bien pour l'été prochain. L'aspect psychologique avec un cheval, c'est hyper important? Bien sûr. C'est important. Et après, bon, faut les chercher, il faut chercher à les comprendre déjà. Hein. Donc voilà. Et ça, c'est mon cheval pour eux. Ça, c'est un point que j'aime bien, qu'on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est mon. C'est Max de Noyelle, ça. C'est Max de Noyelle. Il va débuter là, et après, il va débuter mardi, et après, je vais voir le résultat. Mais après, je pense que c'est vacances, on ressortira ça au printemps. Voilà. Ça, c'est mon petit chat.
cheval de province. Non, cheval qui il s'avère que c'était pas terrible au début, et après ça a eu des bons passages. J'ai couru les réclamer, hein. Attention, on aurait pu me le piquer aussi celui-là l'année dernière. J'ai couru pour avec la Magorne en Brie pour 5 ou 6 000, il n'y avait personne qui en a voulu, j'ai pris 25 000 euros dans l'année. Donc tant mieux pour moi. Parce qu'après, bon, on a déféré, on a progressé. Et là, il s'avère que maintenant, il n'est pas démonstratif au boulot, mais il marche 15 2007 au croisé, et il marche 3000 mètres à Amiens deux fois et 16,5 avec Mathieu Verva. Honnêtement, le cheval, il est transformé. Donc là, il court à Vincennes une course ou deux, mais je ne veux pas faire le meeting avec. Je vais le garder pour les Grands Prix l'année prochaine. Parce que je pense qu'en province, chez nous, il y a de l'argent à prendre. Toutes les courses PMU qu'on a encore, il faut en profiter. Surtout avec des comme ça. À Vincennes, est-ce qu'on peut... le terme est fort, mais est-ce qu'on peut briser la carrière d'un cheval? C'est vraiment plus dur qu'ailleurs, Vincennes. Il faut quand même encaisser. Au début, tu peux tomber sur un poulain qui a travaillé normalement, qui est brave. La bravoure va faire la différence sur un cheval qui a de la qualité, mais qui est fautif. Mais sur un cheval de un peu de compétition, il faut être fort. Il faut qu'il encaisse. Parce que moi, j'en ai laissé là-bas une paire quand même. On les a vus, mais pas longtemps. Donc après, il faut savoir. Quand tu fais le meeting, je vois les grandes maisons comme Christian Bigeon, ils les préparent pour ça, puis ils encaissent tout l'hiver. Donc il y a peut-être une façon de faire que nous, on ne sait pas faire. Donc voilà, je pense que... Mais bon, Paris, faut taper dans la meute. Hein. Not sure I understand. Not sure I understand.